Bravo Yann, et beaucoup de maturité hein, de la part de Yann Cuchera qui commence à peut-être à se poser un petit peu, à prendre confiance en lui, parce que je l'ai rarement vu aussi confiant, analysant avec une certaine lucidité en fait hein, ce qu'il lui reste à faire avant les championnats du monde. C'est très bien. Absolument, c'est le fruit de l'expérience qui commence à payer. Magnifique performance en tout cas, il nous a un peu soufflé là Yann, mais dans le bon sens du terme. Alors que nous suivons maintenant la petite chinoise Zhang au sol, pour bien sûr ce qui constitue l'un des grands moments de toute réunion de gymnastique, le sol féminin. Double carpé, ici c'est la fin de son exercice. Sixième gymnaste des championnats du monde de l'an passé. Car elle est titulaire de l'équipe de Chine, ce n'est pas une nouvelle, bien qu'elle soit très très jeune. Elle avait obtenu 4 médailles d'or aux Jeux asiatiques à Pusan il y a tout juste 2 semaines. Première par équipe, première du concours général, première des barres asymétriques et première ex aequo justement au sol. Voilà, triple vrille bien posé, superbe ralenti. Regardez la netteté de l'exécution, les jambes sont parfaitement serrées ici, double vrille et demi. Belle technique et pureté d'exécution dans les acrobaties. Belle marge de progression. Perceptible hein, chez cette petite gymnaste, toute jeune. Et oui, qui n'a pas encore 17 ans. 9,025, elle fait un petit peu moins.